Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui change pas mal de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais réaliser un costume en style un peu steampunk de voyageur temporel afin de passer devant l'objectif d'un talentueux ami photographe. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement remarqué que depuis quelque temps, je fais quelques dessins dans un style plutôt steampunk. D'ailleurs, le lien de mon compte Instagram est en description si vous êtes intéressé. Et donc, je vais m'inspirer de ces dessins et d'autres photos trouvées sur internet pour réaliser mon costume. Avant toute chose, je commence par faire quelques recherches. Je réalise des croquis sur l'application Procreate pour iPad. Alors évidemment, ce sont des pistes, je vais m'en inspirer pour réaliser mon costume, mais le résultat final ne va pas ressembler exactement au croquis de recherche. Ça va notamment dépendre du matériel que j'ai à ma disposition. D'ailleurs, en parlant de ça, pour réaliser ce costume, je voulais dépenser un minimum d'argent, donc en faisant de la récupération ou en achetant quelques babioles pas trop chères. Lors de mon séjour au Bénin, j'ai pu acheter des chutes de cuir pour seulement quelques centimes, et j'ai également pu acheter une quantité respectable de tissus noirs et marrons pour moins de 10 euros. Ensuite, j'ai commandé sur internet un bracelet en cuir qui pourra me servir de base pour fabriquer une machine temporelle, et j'ai aussi acheté une montre à gousset pour un prix raisonnable. Et quasiment tout le reste, c'est de la récup. Je commence par découper un morceau de cuir noir et avec un briquet je viens passer sur les contours, aux endroits où j'ai coupé, pour ne pas que ça s'effiloche. Et je viens par-dessus coller mon bracelet en cuir, ça me permet de rallonger la surface pour pouvoir coller des trucs par-dessus. Ensuite je rajoute un élément, il s'agit d'un morceau de casque audio qui ne fonctionnait plus, donc j'ai récupéré cette pièce et je l'attache sur mon support en cuir avec des fils de cuivre. Comme les étapes sont assez longues, j'ai pas filmé tout le temps, donc je vous ai fait un petit bilan de l'avancement de la machine temporelle. On peut voir que j'ai rajouté des touches de clavier, un engrenage, un cadran de montre, et d'autres éléments qui rendent plutôt bien. Je rajoute aussi quelques pièces de plastique qui ressemblent à des clous en métal, pour rajouter de la texture. Donc on va laisser la machine temporelle de côté, pour voir plus tard si ça mérite d'ajouter quelque chose, et on va passer à un porte-fiole qui sera attaché sur le chapeau haute forme. Donc avant je fais un petit croquis pour voir à peu près à quoi ça va ressembler, et ensuite je prends des mesures pour découper mon cuir. Comme pour le cuir de la machine temporelle, je brûle les bords pour pas que ça s'effiloche. Je viens choisir un autre morceau de cuir, je le découpe à la bonne taille, et je le place pour le coudre sur mon support. Une fois que la première partie est cousue, je viens coller la seconde avant de la coudre, pour ne pas être obligé de tenir constamment le tissu à la même place, ça me permet de me simplifier la tâche. Et je viens aussi rajouter deux morceaux effets métalliques. Pour la suite, je vais réaliser une mitaine. Donc j'ai pas filmé ce moment, mais j'ai pris un gant, j'ai coupé les doigts, et je vais maintenant découper un morceau de cuir pour décorer le dessus du gant. Avant de le coudre, je le colle, pour la même raison que tout à l'heure. Ensuite, je le couds et je rajouterai plus tard deux morceaux de plastique effet métallique. Je rajoute un engrenage sur mon porte-fiole. Et je vais aussi en rajouter trois sur mon gant. Comme je trouvais les doigts de la mitaine encore trop longs, je les ai raccourcis. Et ensuite, je passe à la veste. Je découpe un morceau de cuir qui va servir à garder la manche gauche repliée. D'ailleurs, la veste, c'est aussi de la récupération. C'est une veste qui ne me servait plus et que je vais donc modifier à ma guise. Donc je retrousse la manche et je couds la base de ma languette en cuir qui va servir à la garder retroussée. Je viens maintenant fabriquer une épaulette pour la veste. Donc j'utilise un morceau de cuir auquel je viens coller et coudre une languette de cuir. Cette languette de cuir aboutira sur un anneau en cuir qui fera le tour du bras. Donc je découpe un morceau de cuir pour créer cet anneau, je le colle, je le couds
et je viens le coller et le coudre à la languette de cuir reliée à l'épaulette. Voilà, la pièce est terminée, maintenant il faut la coudre sur la veste. Je pose ma pièce sur ma veste et je la coince avec des épingles pour qu'elle garde sa place. Et ensuite, avec un fil et une aiguille, je la couds. C'était un travail assez long et difficile, donc je vous montre immédiatement à quoi ressemble le résultat final. Ensuite, j'ai réussi à trouver un bouchon de liège, donc je vais le découper afin qu'il puisse servir de bouchon pour ma fiole. Ensuite, pour le chapeau, je vais découper une bande de tissu marron, brûler les bords pour éviter que ça s'effiloche, et je vais la placer sur mon chapeau en utilisant des épingles pour ne pas que ça bouge. Je mets ça de côté un moment pour réaliser une bandoulière. Et donc je vais utiliser la même technique que pour le porte-fiole qui sera sur le chapeau, en cousant un morceau de cuir sur la bandoulière afin de caser deux petites fioles. Dans le même bouchon de liège que tout à l'heure, j'ai découpé deux bouchons pour ces fioles. Et je vais maintenant entortiller quelques fils de cuivre pour décorer ces fioles. Je vais en mettre un qui passe d'une fiole à l'autre et quelques fils de cuivre à l'intérieur de chaque fiole. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller dans un vide-grenier près de chez moi. J'ai ramené une vieille horloge, un vieux réveil, une petite montre à gousset en argent, un vieux cadran de montre et quelques vieilles clés. Le tout pour évidemment quelques euros. Ensuite, je vais démonter la vieille horloge et le réveil pour récupérer toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur, les cadrans, les engrenages, etc. Et ensuite, je vais venir récupérer le cadran de cette vieille horloge. J'ai eu un peu de mal parce que tout le mécanisme était attaché aux aiguilles en fait. Donc en trichant un peu, en venant coller les aiguilles sur le cadran, j'ai pu le récupérer. Ensuite, je retourne à mon chapeau, je vais coudre le tissu marron en faisant bien attention qu'il épouse la forme du chapeau. Comme le tissu est cousu, je vais maintenant coudre par-dessus mon porte-fiole. Ensuite, je fais des trous dans le tissu marron de mon chapeau afin d'y faire passer un lacet. J'ai également accroché la petite montre à gousset avec un morceau d'horloge. Et j'ai aussi fixé trois vieilles clés à l'arrière. Ensuite, sur la veste, je suis venu fixer le cadran de la vieille horloge. Sur cette horloge, j'ai collé une petite ampoule. Ensuite, j'ai roulé plusieurs brins de cuivre ensemble. Je les ai entortillés et j'ai rentré les deux extrémités dans un petit morceau de tuyau en cuivre que je vais venir coller sous l'ampoule. J'ai aussi découpé un morceau de tissu noir que j'ai abîmé avec un briquet pour lui donner un aspect ancien et je l'ai cousu à l'arrière de la veste. J'ai récupéré une chute de cuir qui possède deux anneaux métalliques et je viens la couper au milieu. Puis je couds ces deux pièces sur un côté de ma veste. J'ai également fabriqué un bandeau que je viens brûler et abîmer pour lui donner un aspect rustique. J'ai fait la même chose avec un morceau de tissu marron et je le couds sur ma veste pour lui donner de la texture. J'avais déjà mis un morceau de cuir autour d'une des manches de la veste, mais je voulais venir rajouter dessus un cadran de montre. Donc je coupe deux morceaux de cuir noir qui vont servir d'attache. Je les place avec des épingles sur le cadran de ma montre et je couds l'ensemble sur la manche. J'ai enfin reçu par internet ma paire de lunettes de soudeur et j'ai piqué à mon frère une vieille clé. Bref, il y a quelques étapes que j'ai pas filmées, mais vous avez compris l'idée. Au total, la réalisation complète de ce costume m'a coûté 37,65 €, ce qui reste relativement raisonnable, je pense. Avant de sortir faire des photos, j'ai voulu faire quelques croquis de mise en scène pour savoir à peu près quel genre de choses je voulais. Je suis maintenant prêt pour le shooting. Nous sommes actuellement au fin fond de la montagne. Je suis avec mon cher ami Manu alias Capturalp sur les réseaux. J'ai même ramené en plus de mon costume l'horloge qui orne ma chambre pour tenter de faire des photos avec ça.
Pourquoi on est dans un endroit complètement dévasté? Ça me rappelle une certaine vidéo que j'avais fait à une époque où on visitait une villa abandonnée, mais là c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus public, dans le sens où c'était voilà, pour plusieurs gens, avec des dortoirs et tout, c'est dingue. J'ai beaucoup aimé fabriquer ce costume et je suis très content du résultat final. Un gros merci au copain Manu qui se débrouille très très bien à la photo. Les liens pour retrouver son travail sont en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éventuellement inspiré ou aidé pour créer des choses. Si vous avez fabriqué un costume ou des accessoires steampunk, ça m'intéresse. Vous pouvez m'envoyer la photo sur Instagram, le lien est en description. Bref, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me donner votre avis dans les commentaires, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Salut !